Salut, bienvenue pour cette présentation spéciale sur l'entraînement sportif cognitif. Aujourd'hui, je vais te montrer différentes façons de travailler la prise d'information et la prise de décision pour le football. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça te permettra d'avoir accès à toutes les vidéos que tu verras lors de cette présentation. Tu peux également poser tes questions dans la section commentaires et me fera plaisir de te répondre. Donc pour débuter, je vais te présenter ce qu'est l'entraînement sportif cognitif. Ensuite, je vais te montrer différentes façons de le mettre en pratique et on finira avec les outils disponibles. Donc, qu'est-ce que l'entraînement sportif cognitif? Eh bien, c'est un entraînement qui consiste à entraîner et stimuler les capacités cognitives du sportif. On va parler de l'attention, de la perception visuo-spatiale, qui est le fait de percevoir adéquatement les objets dans l'espace. En même temps, tu vas pouvoir déterminer sa distance et sa direction dans laquelle il se déplace. On va parler du raisonnement, de la vitesse de traitement de l'information, des praxies, qui est la capacité à exécuter les mouvements simples ou des séquences de mouvements. Dans notre cas, on va parler de la coordination, et finalement de la prise de décision. Donc pourquoi intégrer l'entraînement sportif cognitif? Eh bien tout d'abord, ça va permettre une amélioration de la concentration de votre équipe. Vos joueurs seront également conscients de leur environnement. Ils vont voir avant de recevoir, donc ils vont conserver ou avoir un temps d'avance. Ils seront moins stressés avec le ballon. Ils vont le lâcher des yeux. Et au final, ils auront une sensation de jeu plus lent. Mettons donc l'entraînement sportif cognitif en pratique. Avant de mettre en place l'entraînement sportif cognitif, il faut d'abord déterminer les sens que nous utilisons lorsque nous jouons au foot. Bien entendu, ils ne sont pas tous utilisés. L'ouïe, la vue et le toucher sont les trois sens que nous utilisons le plus. Le goût et l'odorat, le son, peu ou pas du tout. Pour un stimuli auditif, eh bien je vous suggère d'utiliser un langage terrain. Remets, ça vient, seul, tourne, bref, tout ce que vous pouvez entendre sur un terrain de foot. Vous pouvez également utiliser un signal auditif spécifique comme un coup de sifflet, le go, une couleur ou un mot qui va donner le top départ. Lors de cette vidéo, vous allez voir et surtout entendre une couleur qui va déterminer la porte dans laquelle le joueur doit passer avec le ballon. Go ! Rouge ! Go ! Rouge ! Un autre style de stimuli que nous allons utiliser et qui est le plus utilisé en football est le stimuli visuel. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des couleurs, des nombres, des directions, des lettres, des formes, etc. Pour apporter un peu de variante, vous pouvez montrer par exemple une coupelle avec la main ou avec le pied. Dans cette vidéo, le stimuli visuel est une coupelle de couleur qui va être montrée avec la main. N'oubliez pas que tous ces exercices sont disponibles en version complète sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Dans cet exercice, le stimuli visuel, qui est encore une fois une coupelle, va être montré avec le pied. L'utilisation de nombres, soit par le biais d'un joueur ou d'une application que nous verrons plus tard dans cette présentation, est un moyen super intéressant pour travailler l'aspect cognitif. Vous allez en avoir un exemple dans cette vidéo. Thank you.
autre aspect visuel va être la direction. Dans cette vidéo, vous allez voir le passeur qui va montrer une direction. Le receveur de ballon doit se diriger dans cette direction pour prendre sa première touche de balle, puis par la suite aller dans la direction opposée. Si nous voulons apporter un peu plus de challenge, eh bien nous allons apporter des stimuli visuels plus complexes. Ils vont demander une réflexion plus poussée, car le stimuli va avoir une signification bien précise. Par exemple, une couleur qui va indiquer au joueur avec quel pied jouer, le nombre ayant une consigne, donc dans ce cas-là, on va parler des nombres pairs et impairs. Les variantes que vous pouvez apporter également sont d'inverser la consigne. Si je te dis d'aller à droite, tu vas à gauche. Si je te dis bleu, ça signifie jaune, ainsi de suite. Dans cette vidéo, vous allez voir quelques exemples de stimuli visuels plus complexes au niveau des couleurs. Donc, à chaque coupelle jaune, le joueur doit placer son pied gauche. À chaque coupelle bleue, son pied droit. Et à chaque coupelle rouge, les deux pieds autour de la coupelle. Pour cet exercice, eh bien, les couleurs seront portées par les joueurs avec les chasubles. C'est un exercice vraiment intéressant qui est issu de la Masia du FC Barcelone. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo. Vous pourrez suivre le tuto pour réaliser l'exercice avec votre groupe de joueurs par la suite. Dans cet autre exemple de stimuli visuels complexes, nous allons utiliser des nombres. Donc dès que la joueuse va voir un nombre pair, elle devra jouer du côté blanc. Dès qu'elle verra un nombre impair, du côté rouge. Par la suite, vous verrez une évolution avec nombre pair, jeu en deux touches de balle, et nombre impair, jeu en une touche. Pour avoir encore plus de résultats, eh bien vous pouvez utiliser différents types de stimuli en même temps. Dans cet exemple, des stimuli auditifs et visuels. Cela va avoir pour effet d'augmenter le niveau d'attention et de concentration du joueur. On va voir une analyse d'une combinaison et tout ça permet de travailler également la vitesse de réaction. Donc dans cette vidéo, une combinaison de couleurs va être annoncée et le premier joueur à se diriger vers la bonne combinaison va marquer un point. Jaune, jaune, bleu. Bleu, bleu, jaune. Jaune, jaune, bleu. Voici un autre exemple, un peu plus compliqué, pendant lequel des joueurs jonglent. Lors du go, ils vont devoir effectuer un jongle très haut. Pendant ce temps, une couleur va être montrée par le pied de l'éducateur. Et cela va annoncer la couleur de la porte à franchir une fois le contrôle effectué. Go! Oui, allez, rapide sur les premiers appuis. Go! Maintenant, regardons les différents outils que vous pouvez utiliser pour réaliser ce type d'entraînement. Bien entendu, les coupelles restent la meilleure façon de travailler cet aspect de prise d'information. C'est également un des outils les moins chers et que vous allez pouvoir retrouver partout. Un autre outil indispensable, les chasubles. Vous allez pouvoir utiliser des chasubles de différentes couleurs pour apporter plus de variété. Mais vous avez également l'option de chasubles spéciaux tels que celui-ci,
qui fera l'objet d'une vidéo spéciale dans les prochaines semaines. Donc, restez bien à l'affût et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les joueurs peuvent également servir lors des entraînements. On l'a vu un peu plus tôt avec un exercice. Un joueur qui montre des nombres avec ses doigts, c'est toujours utile et ça permet de prendre l'information. Si vous êtes dans de l'entraînement un peu plus privé, eh bien une application est super intéressante, c'est l'application Switch It On. Je vous conseille fortement de la télécharger, elle est disponible sous Android et iOS. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher en haut de l'écran. Une vidéo avait déjà été faite précédemment, donc vous informant un peu des différentes options que vous avez pour travailler avec cette application. Donc vous allez avoir des chiffres qui défilent aléatoirement, des couleurs, des flèches. Bref, c'est une application super intéressante pour le travail de la prise d'infos. Et bien, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez utiliser des lumières de réaction qui va vous permettre de travailler la vivacité, donc le fait de répondre à un stimuli le plus rapidement possible. Vous en avez plusieurs sur le marché. La prochaine vidéo va vous démontrer quelques exemples d'exercices que l'on peut faire avec cet équipement. Ne coûte pas bien cher, des balles, des ballons, tout ça pour travailler la dissociation segmentaire, donc qui est la capacité de mettre en action une partie du corps sans la participation du reste du corps. Vous pouvez également travailler la dissociation segmentaire double, cette fois-ci il va y avoir des mouvements distincts de deux membres différents. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la dissociation segmentaire simple au départ, puis double pour le dernier exercice. Un autre exemple de dissociation segmentaire double, petit défi pendant lequel les joueurs vont devoir jongler et en même temps faire passer la balle de tennis autour de leur corps. Finalement, un autre outil que vous pouvez utiliser qui est vraiment intéressant, le Sense Ball, qui est un ballon relié à une corde, un tout petit ballon. Il permet le travail de la proprioception, qui est le fait de positionner ses membres au bon moment et au bon endroit sans avoir à les observer, et également la dissociation segmentaire, comme nous venons de le voir. Cette vidéo vous démontre quelques exemples d'exercices à réaliser avec le Sense Ball. Séance, je vous propose d'apporter des choix à vos joueurs pour qu'ils aient des décisions à prendre. Variez les stimuli de départ, pas seulement un coup de sifflet, pas seulement un go. Allez-y avec des couleurs, avec d'autres choix. Défiez-les, donc des compétitions, ils aiment ça et en même temps ça va les obliger à penser vite et à réagir vite. Bref, innover. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément d'être resté jusqu'au bout. Tu peux poser tes questions dans la section des commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir te répondre. En attendant, n'hésite pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et sur notre site web cogifit.com. Merci encore, à la prochaine.